Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par les nouveaux héros français Benjamin Pavard et Kylian Mbappé qui ont émerveillé la planète foot samedi face à l'Argentine. Pavard avec son but fantastique, Mbappé avec son accélération et son doublé, voilà, c'était magnifique. On a battu les Argentins et maintenant on est en quart de finale. Faudra se taper l'Uruguay vendredi, ça va être difficile, mais il y a moyen de le faire. Et donc les deux joueurs français s'affichent en une de l'équipe ce lundi, l'équipe qui revient aussi sur l'élimination de l'Espagne, un nouveau favori au tapis. Et oui, l'Espagne a été battue hier par la Russie, le pays hôte, à la séance des tirs au but. Et ça fait forcément la une de tous les journaux espagnols ce matin. À la maison, à pied, titre ainsi Marca, qui fait un petit résumé, je trouve, très bien trouvé de la rencontre. Une Espagne sans vitesse, sans profondeur, sans âme ni joie, avec une domination stérile et tombée au tir au but face à une Russie quelconque. Voilà la description du match faite par Marca. Et cette déception, cette tristesse se retrouve aussi en une de la presse catalane. Quel dommage, s'exclame ainsi le quotidien sport avec cette photo-là de plusieurs joueurs espagnols abattus et d'Iniesta qui s'en va car Iniesta a confirmé hier qu'il prenait sa retraite internationale. C'est la fin d'une génération, titre ainsi le quotidien AS du côté de Madrid. On file maintenant en Italie avec cette bombe mercato signée la Gazzetta dello Sport. Maurizio Sarri devrait être prochainement nommé entraîneur de Chelsea et il voudrait Gonzalo Higuaín qu'il avait eu sous ses ordres du côté de Naples. Et la Gazzetta nous apprend que si Higuaín est vendu à Chelsea, la Juventus veut faire revenir Morata. Donc voilà, il pourrait peut-être avoir un échange avec peut-être de l'argent au milieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle donc d'Higuaín à Chelsea et de Morata de retour à la Juve. Mercato toujours, mais à la une de Tutto Sport cette fois où le quotidien turinois revient sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Je vous ai fait un article sur le site hier, je vous invite à aller le consulter pour plus d'informations. Donc là, pour eux, Ronaldo, c'est le rêve et Milinkovic-Savic, c'est la réalité, c'est l'objectif de la Juventus cet été. C'est un dossier, à mon avis, qui risque d'enflammer le mercato italien dans les semaines à venir. Et je ne serais pas étonné que le milieu de terrain serbe file à la Juventus. On en parle depuis plusieurs semaines et ça continue encore et encore. Et à la une de Tutto Sport, on a aussi cette information, Bonucci aussi au PSG. Oui, en plus de Buffon, le PSG veut Bonucci. C'était Tutto Sport, d'ailleurs, qui l'avait annoncé le 16 juin dernier. Et hier, le Parisien a confirmé dans son édition du jour que Bonucci, lui, voulait aller à Paris, qu'il était intéressé. Donc, a priori, il y a la chaîne officielle du Milan, Milan TV, qui a dit qu'il n'y avait absolument aucun contact, que Bonucci ne voulait pas partir. En tout cas, la presse italienne en parle aujourd'hui, relayant surtout, en fait, l'information du Parisien, mais confirmant aussi que c'est une vraie possibilité, comme vous le savez, suite à l'exclusion de Milan pour la prochaine Ligue Europa. Et la nécessité sans doute de trouver des fonds, de vendre des joueurs. Et là, donc, on parle d'une opération potentiellement de 35 millions d'euros, donc c'est pas énorme pour le PSG. Mercato toujours, mais en une du Corriere dello Sport, où on parle de l'international marocain Ziyech du côté de la Roma. Ça pourrait être la 10e recrue de Monchi cet été, c'est un truc de fou furieux. Et en fait, tout est parti d'une télévision marocaine qui a dit hier, aujourd'hui, Ziyech va signer à la Roma pour 30 millions d'euros, annonce ce lundi. Alors, ça a enflammé un petit peu tout le monde sur les réseaux sociaux hier, mais selon le Corriere dello Sport, rien n'est encore fait. La Roma doit d'abord vendre des joueurs avant de faire cette opération, et puis il va falloir aussi peut-être négocier avec l'Ajax. On parle de 30, 35, voire 40 millions d'euros. Affaire à suivre, en tout cas, Ziyech à la Roma, on en parle encore et toujours, et visiblement, ça a l'air quand même de se préciser. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où Bruno Fernandes fait la une de record. Bruno Fernandes, vous savez, c'est l'un des internationaux portugais qui a résilié son contrat avec le Sporting. Entre-temps, le président du Sporting a été viré. Et là, selon Bruno Fernandes, de son propre aveu, il est prêt à négocier avec le Sporting, soit pour rester, soit pour partir, mais pas gratuitement. Donc voilà, ça rentre dans l'ordre petit à petit du côté du Sporting. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On est déjà 400 sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Pour moi, c'est un chiffre qui est énorme, même si pour YouTube, c'est évidemment ridicule. Mais voilà, vous êtes 400 à suivre ce que je fais au quotidien, donc ça me fait très plaisir. Vous avez aussi d'ailleurs été nombreux à regarder la vidéo des top tweets de France-Argentine, donc merci à tous. On termine comme d'habitude avec le programme du jour. Là, ça commence à être un peu plus léger puisqu'il n'y a que deux matchs par jour, mais quel match! Brésil-Mexique à 16h en 8e de finale, ça va être un très très gros match. Est-ce que le Mexique va faire tomber un nouveau favori? Est-ce que Neymar va briller, va lancer véritablement sa Coupe du Monde?
affaire à suivre. Et enfin, à 20h, l'un des nouveaux favoris, des nouveaux outsiders, la Belgique face au Japon à partir de 20h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle. Ciao.